portant, mais ces deux psaumes, ces trois psaumes en particulier, psaume 22, psaume 23, psaume 24, sont très importants pour l'évangile, très importants pour l'appel que Dieu nous a lancé. En voyant psaume 23, 22, cela parle du Sauveur, aussi bien que le salut. Vous pensez au psaume 23, et cela parle de notre berger et de la plénitude de ses provisions. Quand vous parlez du psaume 24, cela parle du souverain, c'est-à-dire le glorieux. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et maintenant, il reviendra dans la gloire. Donc, psaume 22, vous avez le bon berger. En psaume 23, vous avez le grand berger qui pourvoit à tous les besoins des brebis dans le troupeau. Et en psaume 24, on a le glorieux berger qui reviendra dans la gloire. Donc, il nous amènera à la gloire. Voyons psaume 22. Psaume 22, verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Vous reconnaissez ces déclarations de Jésus à la croix de Calvaire, lorsqu'il a donné sa vie, livré sa vie pour la rançon, pour la rédemption, pour le salut du genre humain. Et voici, ceci nous montre un berger qui est le bon berger. Allons à Jean 10, verset 11, qui dit: je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie. Cela vous réfère au psaume 22. Voyons, verset 17 ici, Jean 10, 17, qui dit: et Jean 10, verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Donc vous comprenez que quand vous pensez au berger, le berger qui a donné sa vie, le bon berger, ce qui nous fait référer au psaume, ou qui nous fait conférer au psaume 23. Voyons Hébreux 13, 20. Cela parle du berger. Et voici le grand berger qui pourvoit à tout besoin dont on a besoin dans cette vie. C'est-à-dire que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis. Il est ressuscité. Maintenant, il est appelé le grand pasteur des brebis. Par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, verset 21, dit: alors, vous rendez capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et il fasse en vous ce qui lui est agréable. Alors, il vous donne toute la grâce, il nous donne toute sa bonté, il nous donne tous les dons, tout ce dont on a besoin afin de mener une vie agréable devant lui. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et psaume 24 parle du glorieux berger, le berger, le grand berger, pasteur qui vient, qui reviendra. Alors vous pensez à 1 Pierre chapitre 5, voyons le verset 4. 1 Pierre 5, nous voyons le verset 4. Et c'est dit: et lorsque le souverain pasteur paraîtra, il paraîtra dans la gloire, il paraîtra avec majesté, il reviendra. Comme vous rappelez le psaume 24, que le roi de gloire entrera. Alors, qui est ce roi de gloire? C'est celui dont nous lisons maintenant ici. Lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Donc, psaume 22, le bon berger. Psaume 23, le grand berger. Psaume 24, le glorieux berger. Aujourd'hui, nous voyons le message qui est intitulé comme nous combinons ces trois psaumes. Nous voyons le grand salut à travers le berger glorieux. Le grand salut à travers le berger glorieux. Et le message est divisé en trois parties. Première partie,
la souffrance de substitution du sauveur expiatoire. Celui-là qui a pourvu notre salut, celui-là qui a pourvu notre rédemption, celui-là qui a donné sa vie et son sang afin que nous soyons sauvés. Deuxième point, c'est la provision suffisante du berger parfait. Vois-tu ce qu'il a pourvu? Et comme on voit le psaume 23, il pourvoit tout. Tout pour l'esprit, pour l'âme, pour le corps, pour le ministère, pour tout domaine qui nous concerne. Et on ne manque de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Et la provision suffisante du berger parfait. Troisième point, c'est le psaume 24. C'est la suprématie du souverain prééminent. La suprématie du souverain prééminent. Et nous allons au premier point, qui est la souffrance de substitution du sauveur expiatoire. Et ça, c'est le psaume 22. Comme nous voyons le psaume 22 ayant 32 versets, nous allons voir les versets section par section. Et numéro 1, c'est la souffrance du substitut innocent. Voyons psaume 22 et nous lisons le verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis sûr que vous reconnaissez cela, que comme la parole que Jésus avait dite à la croix de Calvaire. Il était à la croix de Calvaire maintenant, il était crucifié et il souffrait pour nos péchés. Et à cause de cette souffrance, le Père a dû se détourner de lui. Et parce qu'il portait le fardeau, la pénalité, l'amende du péché du monde entier. C'est pourquoi il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et en réponse à cela, voyons 1 Pierre 3, et nous lisons le verset 18. Vous allez découvrir pourquoi il a été abandonné par le Père. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Voyez cela. Il a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Il était notre substitut. Et c'est pourquoi le Père, le Seigneur, s'est détourné de lui. Numéro 2 ici. C'est la supplication de l'âme chagrinée. La supplication de l'âme chagrinée. On voit psaume 22 et nous lisons à partir du verset 5. Psaume 22, 5. Et en toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Et verset 6 dit, ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Il se confiait en toi et il n'était point confus. Vous rappelez bien Jésus-Christ, comment il a prié dans le jardin de Gethsémané et comment il suait en grumeaux de sang. Il dit que si je prie que cette coupe peut me dépasser, pas ma volonté, mais pas ta volonté. Et le Père a exaucé sa prière. Comment avons-nous dit que le Père a exaucé sa prière? Voyons Hébreux chapitre 5, verset 7, et nous avons, c'est dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il ne devait pas mourir dans le jardin de Gethsémané. Il devait aller à la croix, mourir, faire le sacrifice pour nos péchés. Et il a prié. Et quoi qu'il transpirait des grumeaux de sang et que son sang et son cœur répandaient du sang. Et c'est dit qu'il a été exaucé à cause de sa piété. Et on a la supplication de l'âme chagrinée, que mon âme est triste jusqu'à la mort. Mais le Seigneur l'a exaucé. Et il a envoyé un ange depuis le ciel qui l'a délivré de la mort à Gethsémané parce qu'il devait aller au calvaire pour mourir. Mais vous savez, revenu au psaume 22, et nous allons voir le verset 7. Psaume 22, 7. Voyons ici la moquerie contre le sacrifice irréprochable.
Oui, il devait être un sacrifice, le sacrifice pour nos péchés. Oui, il est juste, irréprochable, saint et juste. Psaume 22 et verset 7. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Et il a été méprisé, il a été moqué. Et verset 8 dit, tous ceux qui me voient se moquent de moi. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Verset 9. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Vous vous rappelez bien lorsqu'il était à la croix de Calvaire, comment ses principaux sacrificateurs et les gens disaient qu'ils descendent de la croix afin que nous croyions en lui si réellement il est le roi des Juifs. Alors, on s'est moqué de lui et c'est parce qu'il payait le prix pour notre salut. Voyons 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5, verset 7, qui nous parle de Jésus-Christ qui est le sacrifice. Et dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous revenons au psaume 22. Et psaume 22, nous lisons le verset 13, qui nous parle du sarcasme, qui nous parle de leurs mauvaises paroles amères contre lui. Psaume 22, verset 13. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Bazan m'environnent. Verset 14 dit, ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Et verset 15 dit, je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la scie, ils se font dans mes entrailles. Voilà le verset 16. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Vous voyez, on a vu ici, il a été moqué. Vraiment, ils ont usé de grands sarcasmes contre lui. Ouais. L'Ancien Testament a prophétisé que ceci se passera. Esaïe 52, et les derniers versets là-bas, versets 14 et 15. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Voilà le verset 15. Verset 15, nous avons, de même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche. Voici le sarcasme ici. Car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Voyons, Esaïe 53 là-bas, voyons le verset 2. Esaïe 53, verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Verset 3. 3 dit, méprisé, et on se moquait de lui, on l'insultait, et il employait des paroles sarcastiques contre lui. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourquoi? Verset 4. 4 dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié.
C'est pourquoi nous appelons ceci est intitulé le sarcasme contre le fils frappé. Il a été frappé par Dieu. Et le verset 5 nous dit, mais il était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est par ses meurtrissures que vous êtes guéris. Et c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. On voit numéro 5 ici. C'est le sacrilège, la profanation contre le sauveur fouetté. Vous connaissez déjà l'histoire. L'histoire de son arrestation. L'histoire de son jugement, de sa crucifixion, l'histoire de sa mort, de son ensevelissement, de sa résurrection. Vous vous rappelez bien comment il a été fouetté. Nous retournons au psaume 22, verset 17. Psaume 22, 17. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je suis sûr que vous comprenez que cela n'est pas arrivé à David, cela n'est arrivé à aucun prophète, à aucun roi, à aucun homme en Israël. C'était arrivé, ça c'est arrivé au Seigneur. C'est une parole prophétique au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Verset 17 toujours, 17 dit que 18, je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent. Il me regarde. 19 dit ici, il se partage mes vêtements. Il se partage mes vêtements. Il tire au sort ma tunique. Cela nous fait parler de choses terribles qui sont faites contre lui. Et ils ont craché sur lui. Ils l'ont souffleté. Et ils l'ont frappé. Ils ont mis une couronne d'épines sur lui. Ils ont dit des choses blasphématoires contre sa personne. Le sacrilège contre le sauveur fouetté. Allons au numéro 6. Retournons au psaume 22. Psaume 22 nous assure, verset 27, que quoique ces choses le soient arrivées, il ne sera pas à la croix pour toujours. Il ne sera pas à la mort, dans le tombeau pour toujours. Il va ressusciter. Et lorsqu'il ressuscitera, plusieurs viendront croire en lui. Et c'est dit au psaume 22, verset 27. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Voilà cela. Christ allait ressusciter. C'est ce que le psalmiste disait ici, que tout ce qui est fait du verset 2 au verset 8, au verset 9, au verset 16 à 17, au verset 18, tout ce qui parle de ça, c'est-à-dire qu'il ressuscitera et ceux qui le cherchent, ceux qui croient en lui, alors ils vont vivre avec lui et ils vont vivre à toujours. Alors au fait, cela parle de nous au verset 28. Verset 28 dit, toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Vous rappelez bien, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit se viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem où il a été crucifié. Et puis à Judée, dans la province de ces gens qui l'ont tué à la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parce qu'il est mort pour notre salut, parce qu'il est ressuscité encore. Donc, voici ce qui va arriver, toutes les extrémités de la terre. Et penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Nous allons nous rappeler sa crucifixion, nous allons rappeler sa mort, son sacrifice de substitution, nous allons nous rappeler ses paroles à la croix, nous allons nous rappeler le salut, la rédemption qu'il nous a pourvu et cela ne va pas se passer seulement à Jérusalem, oui ça va se passer là-bas, non seulement à Judée, ça va se passer là-bas, ça va se passer en Samarie, ça va se passer de par le monde entier. C'est pourquoi c'est dit, allez par tout le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Dites-leur que je suis mort pour eux et toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. Et le numéro 7 ici, c'est le service de tous les saints soumis. Le service de tous les saints soumis. Nous allons maintenant au verset 29.
car à l'Éternel appartient le règne. Il est roi, non seulement roi des Juifs, il est roi, non seulement roi d'Israël, mais roi de tout l'univers. Il est le roi de toute génération, de l'époque là jusqu'à cette époque, jusqu'au moment où il viendra. Car l'Éternel appartient au roi. Il est roi, il régnera, il domine sur la nation. Il régnera pour toujours. À l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Il est le chef, le dominateur, le seigneur sur les nations. Il est le contrôleur, il est le prince de notre salut, il est le capitaine, le dominateur, le chef, le gouverneur. La domination sera sur son épaule et son nom sera appelé admirable. Son nom sera appelé conseiller et sera appelé le prince de la paix. Son nom sera appelé le Père éternel. Son nom sera appelé le Dieu éternel, Emmanuel, Dieu avec nous, et sera le gouverneur sur les nations. Il régnera au siècle des siècles. Au fait, il règne maintenant dans le cœur de tous ses enfants, de tous ceux qui croient en lui. Et cela nous dit au verset 30, verset 30, « Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi devant lui. » S'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. Alors, il faut le sacrifice et la rédemption pour nous garder en vie, pour ramener notre corps, notre âme en vie. 31. La postérité le servira. La postérité le servira. La postérité des croyants. La postérité d'Abraham, de David. Ceux qui avaient cette même foi qu'Abraham, et qui croyaient au Seigneur, et la justice du Seigneur leur est imputée, nous est imputée, la postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Maintenant, le dernier verset, verset 32. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Voyons, c'est dit que les apôtres viendront et ceux qui se soumettent à lui, en tant que ses serviteurs viendront, en tant que dispensateurs des mystères de Dieu, ils vont déclarer sa justice et qu'elle est devenue un péché, elle est devenue l'offrande du péché pour nous, quoi qu'il n'ait pas péché, il est devenu péché pour nous, afin que la justice de Dieu soit trouvée en lui pour nous. Et le message de la rédemption, le message de notre salut, le message qu'on déclare la justice de Christ à ceux qui seront nés de génération en génération, que voici ce que Christ a fait. Il a fait pour vous, il a fait pour moi, et parce qu'il a fait cela, il est devenu notre sacrifice, il est devenu notre sauveur, il est devenu notre substitut, il est devenu notre porteur de péché, il a ôté nos péchés et il nous a détournés de la vie de péché à la vie de justice. Il nous a détournés de bouc en brebis. Alors il nous fait croire en lui, alors nous l'appelons sauveur, c'est son nom. Nous l'appelons berger, c'est son nom. Ce qui nous amène au psaume 23. Au psaume 23. Et nous allons voir cette deuxième partie, deuxième point, qui nous parle de la provision suffisante du berger parfait. La provision suffisante du berger parfait. Il est parfait et il pourvoit à tous nos besoins comme vous croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous êtes devenu une brebis de son troupeau et dit « Mes brebis connaissent ma voix et me suivent. » Et voici la provision qu'il nous a faite. Deuxième point, la provision suffisante du berger parfait. Allons au psaume 23, verset 1. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Numéro 1 ici, il est le berger parfait et le rédempteur. Il est le berger et le rédempteur parfait. Il nous a racheté
parce qu'il nous a rachetés dans sa perfection. Dans sa perfection, nous avons la provision totale, nous avons une provision abondante, surabondante de tout ce qu'il a donné. Voyons Jean chapitre 10, Jean 10, et nous lisons verset 11. Jean 10, nous lisons le verset 11. Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger. Il était, il est, il sera pour toujours. Pour tous ceux qui croient aujourd'hui, il dit, je suis le bon berger. Il n'y a pas de changement. Je suis toujours votre berger. Et tu peux dire que l'Éternel est mon berger, que je ne manquerai de rien. J'ai livré ma vie pour les brebis. Pourquoi? Afin qu'il nous accorde la rédemption. Il est devenu notre rédempteur. Verset 14. Verset 14 dit, à la fin du verset 13, je suis le bon berger. 14, je connais mes brebis et elles me connaissent. Cela a fait de lui notre rédempteur. Nous allons à Ésaïe 59, verset 20. Cela parle de notre rédempteur et un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Comme nous nous détournons de la transgression, comme nous nous détournons de nos péchés, il est devenu notre rédempteur, notre berger. Revenons au psaume 23, verset 1 qui dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » De quoi cela part-il? Parce qu'il est mon berger, je ne manquerai pas du salut. Il est mon sauveur et le sauveur est à moi. J'ai le salut, il est mon rédempteur. Si le rédempteur est à moi, j'ai sa rédemption. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai pas du salut. Je ne manquerai pas de la rédemption parce qu'il est mon berger, parce qu'il est notre substitut, parce qu'il est notre sauveur, parce qu'il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. C'est pourquoi nous avons maintenant le salut. En 1 Thessaloniciens 5, 9. 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. La colère est ôtée, l'indignation est ôtée, le jugement est ôté. Alors il nous a fait sortir du jugement à la justification. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Pas aucune autre voie pour obtenir le salut. Alors, nous avons reçu le salut au travers du Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous, parce que l'Éternel est mon berger, parce que l'Éternel est mon sauveur, parce que l'Éternel est mon rédempteur, j'ai le salut, vous avez le salut, j'ai la rédemption, vous avez la rédemption. Cela nous dit en Hébreux 9, Hébreux chapitre 9, verset 12. Cela parle du sang de l'agneau qui ôte tous nos péchés et qui nous a donné une rédemption parfaite. Parfaite. Et il est entré une fois pour tous dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux. Il a fait cela pour vous, pour moi, après le sacrifice. Alors il a pris son sang. Et puis il est apparu devant Dieu pour que le Seigneur voie. Mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, nous retournons au psaume. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il nous donne une provision parfaite. Une provision parfaite de ses richesses. L'Éternel est mon berger. Le Seigneur, l'Éternel des cieux est mon berger. L'Éternel de toutes les richesses est mon berger. L'Éternel de toute provision est mon berger. L'Éternel qui ne manque de rien. L'Éternel qui a toutes choses est mon berger. Et parce qu'il est mon berger, tout ce qui lui appartient m'appartient. Parce que je suis héritier de Dieu et co-héritier du Seigneur Jésus-Christ. À cause de cela, je ne manquerai de rien.
quand il dit que l'Éternel est mon berger, que je ne manquerai de rien, et dit que cela nous donne la provision de ses richesses. Éphésiens 3:8, cela parle des richesses insondables de Christ. Éphésiens 3:8, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée. Alors il a donné à Paul, il a donné à Pierre, il a donné au reste des apôtres et des disciples du Seigneur et à tous les croyants. Et il vous le donne aussi. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été donnée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Les richesses incompréhensibles, les richesses inépuisables, les richesses illimitées de Christ. Parce que l'Éternel est maintenant votre berger et vous donne ces richesses incompréhensibles, ces richesses inépuisables, ces richesses illimitées de Christ. C'est pourquoi c'est dit en Philippiens 4:19 qui dit ici que Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoira. Vous avez un berger, un parfait, un rédempteur parfait. Vous avez une provision parfaite de sa richesse. Numéro 4, voyons, Psaume 23, verset 2. Ici, nous avons la sécurité et le repos parfait. C'est dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. David lui-même, il était berger et il dirigeait les brebis de son père. Et les brebis avaient confiance, avaient la sécurité, quel que soit l'animal sauvage, quel que soit le lion qui se trouvait là. Alors, il sauvait ses bergers. Les brebis restaient en paix parce que David, le berger, était là. Quand il conduit, il buvait de l'eau. Il ne buvait pas, regardait de gauche à droite. Il ne buvait pas en paniquant qu'un lion pourrait venir et se jeter sur eux. Mais à cause du berger qui est là, il sait que le berger peut traiter toute affaire de lion et tout tour. À cause de cela, ils avaient une sécurité parfaite et du repos. C'est pourquoi Jésus a dit en Matthieu 11, verset 8, qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et moi, je vous donnerai du repos. Le repos pour vous, pour votre âme, pour votre esprit, pour votre corps, pour votre vie. Et c'est dit au verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Maintenant, revenons au psaume 23. Nous allons voir le verset 22 encore. Psaume 23, verset 2, qui dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Voyons ceci. Il me dirige près des eaux paisibles. Alors, ça, c'est la satisfaction et le rafraîchissement parfait. Ouais. Le Seigneur étant un berger, il pourvoit à tout et il vous satisfait. Arrivé à Christ, vous êtes satisfait. Arrivé à Christ, alors il pourvoit à tous vos besoins et il y a le rafraîchissement. Au fait, c'est dit aux Actes des Apôtres, chapitre 3, Actes 3, verset 19, qui dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Oui, maintenant, parce qu'il est votre berger, parce qu'il est votre sauveur, parce qu'il est celui qui vous sanctifie, parce qu'il est votre substitut, alors toute sécheresse, tout épuisement que vous auriez à expérimenter, alors il a tout pris pour vous. Alors, donc, il n'y a plus de sécheresse. Alors, vous êtes rafraîchi. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et le verset
et le verset et qui dit et qu'il envoie celui qui a été destiné, Jésus-Christ. Alors cela nous accorde la satisfaction et le rafraîchissement. On retourne au psaume 23 et voit le verset 3. Psaume 23, verset 3. Et c'est dit, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Cela parle de l'état parfait de la restauration. Alors, ayant erré du Seigneur, et s'étant égaré du Seigneur, le psalmiste dit, maintenant que je connais mon berger, je me suis égaré en tant qu'une brebis égarée, je me suis égaré en tant qu'un fils prodigue, comme une fille perdue. Maintenant, il m'a recherché, et il m'a ramené, et maintenant, mon âme est restaurée. Il nous accorde l'état parfait de la restauration. C'est ce que le Seigneur fait. Si quelqu'un s'est égaré du Seigneur, le Seigneur peut restaurer la joie du salut. Il peut restaurer tout ce qu'on a perdu dans notre égarement, parce qu'il est notre Seigneur. Et maintenant, nous revenons à lui. 1 Pierre, chapitre 2, 25. 1 Pierre 2, verset 25, qui dit, « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » Nous sommes restaurés à lui, il nous donne la restauration parfaite, et maintenant nous demeurons, maintenant nous restons, et maintenant nous vivons dans l'état parfait de la restauration. Non seulement ça, tout ce que nous avions perdu, notre santé, tout ce qu'on avait perdu, le repos du cœur, tout ce qu'on avait perdu, la stabilité, tout ce qu'on aurait perdu, alors il nous retourne tout, il nous restaure tout. Voici la promesse du Seigneur pour vous, pour moi, pour chacun de nous qui est pleinement retourné au Seigneur. Nous allons au Jérémie 30, 17. Jérémie 30, 17, qui dit, « Mais je te guérirai. Je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Et il vous guérira, et il vous donnera la paix, et il vous donnera tout ce que vous avez perdu. » Lorsque le fils est perdu, est revenu dans la parabole que Jésus a relatée, à tout ce qu'il avait perdu, la paix, parce que la satisfaction, le manger, tout est restauré. Il nous a promis la même chose. Comme vous revenez pleinement au Seigneur, comme vous retournez de tout votre cœur au Seigneur, devant le Seigneur restaure tout. Numéro 7, revenons au psaume 23 et lisons la dernière partie du verset 3 là-bas. Psaume 23, voilà le verset 3. C'est dit, « Il restaure mon âme. » Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il restaure mon âme. Et puis, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et cela parle des étapes parfaites de la justice. Les étapes parfaites de la justice. Quel que soit l'état de quelqu'un dans la rétrogradation, dans la dégradation de péché, lorsque vous revenez au berger, au pasteur de notre âme, il nous accorde une justice complète et nous conduit étape par étape dans le chemin de la justice à cause de son nom. Alors, au fait, il nous rend juste. Il est capable de faire cela. Voyons, Romains 6, verset 18. Ayant été affranchi du péché, c'est lui qui le fait et nous purifie de son sang et nous rassure avec sa parole de pardon et il nous affranchit avec sa puissance de rédemption. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Et il nous remet sur le chemin et nous conduit et nous encourage et nous oriente dans la voie de la justice. Et nous revenons au psaume 23 et voyons, et nous allons voir le verset 4. Psaume 23, voyons le verset 4 qui dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
ta houlette et ton bâton me rassure. Il dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit qu'il a vaincu la mort pour moi. Et parce qu'il a vaincu la mort pour moi, la mort prématurée est annulée et la mort inattendue est supprimée. Et la seconde mort, la mort qui conduit quelqu'un à une mort perpétuelle est supprimée. Donc tout ce qui reste maintenant, c'est l'ombre de la vallée, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Il dit que la puissance de la mort, l'aiguillon de la mort, tout est ôté parce que Christ est mon substitut, il est mort pour moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi pas? Pourquoi cela? Et pourquoi cela? Alors nous pouvons marcher dans la vallée de l'ombre de la mort et sans qu'il y ait quelque chose qu'on craigne. Et alors là, on a la sécurité et la rassurance parfaite. Allons au psaume 138. Allons au psaume 138. 138. 138. Psaume 138, verset 7, qui dit « Quand je marche au milieu de la détresse, quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve et ta droite me soutiendra. » Voilà le verset 8. Alors, il vous faut souligner cela. L'Éternel agira en ma faveur. Je crois que vous cherchez le verset là, ou le verset là dans la Bible qui dit que Dieu agira en ma faveur, tout ce qui me concerne, tout ce qui concerne ma famille, tout ce qui concerne mon ministère. Voici le verset. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Voyons Jérémie 23 et voyons le verset 26. Jérémie 23, verset 6. Jérémie 23, verset 6. En son temps, Judas sera sauvé. En au temps de ce berger, de ce rédempteur, en son temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera. L'Éternel, notre justice. L'Éternel, notre justice. C'est ce qui nous donne la rassurance. C'est ce qui nous donne la sécurité. Nous retournons au psaume 23 et nous lisons le verset 4. Psaume 23, verset 4. Qui dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Voici ceci, car tu es avec moi. C'est Emmanuel, Dieu avec nous. Car tu es avec moi, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Car tu es avec moi. Alors, afin que nous puissions dire que l'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon aide, que dois-je craindre? Je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il y a la force parfaite de son bâton, de sa verge. Le berger, la brebis regarde le berger. Le berger a la verge, le bâton dans sa main pour traiter tout ennemi. À cause de la verge, là, du bâton, là, la brebis ne craint pas. Il sait que le berger est capable et la verge de Dieu dans la main de David suffit. La verge de Dieu dans la main de Moïse suffit. La verge qui sort du Sauveur suffit. Psaume 110. Psaume 110. Et verset 2 dit, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Le sceptre de ta puissance. Alors, ce sceptre, ce bâton à la force, domine au milieu de tes ennemis. Alors, c'est pourquoi les brebis n'ont pas peur. Lorsqu'on peut voir ce bâton, cette verge dans la main du berger, cela nous dit au verset 3 ici que ton peuple est plein d'ardeur. Quand tu rassembleras ton armée, le jour, quel jour, maintenant, dans quel jour,
dans quel jour vivons-nous? Nous vivons les jours de la puissance du Sauveur. Nous vivons les jours du grand évêque et du grand berger, du grand pasteur de nos âmes. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Nous revenons au psaume 24, psaume 23 plutôt, verset 4, qui dit que ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et la houlette contre l'ennemi et le bâton contre l'ennemi, et ça peut également ramener la brebis égarée. Et comme je vois la double protection, comme je vois la double manifestation de ton amour, de ton habileté de traiter avec Satan et de ramener la brebis, et cela me console que tout ira bien. Esaïe 59, verset 19 dit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Voyons ceci maintenant. Voyons ceci. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, quand l'ennemi va venir à flot comme un fleuve, quand l'ennemi va essayer de prendre au dépourvu les brebis, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Et le berger, et le bâton dans la main du berger contre l'ennemi va le mettre en fuite. Et c'est à cause de cela que j'ai la sécurité parfaite du juste. Et ce qui nous ramène au psaume 23. Psaume 23, verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Votre coupe débordera. En face du berger, devant le berger, notre coupe déborde. Tu dresses devant moi une table. Et c'est en face de mes adversaires. Certains croient qu'ils ne peuvent pas progresser jusqu'à ce que leur ennemi soit mort. Quelques-uns croient qu'ils ne peuvent jamais se lever jusqu'à ce que leur ennemi meure. Ça pourquoi au lieu de regarder le berger, il regarde l'ennemi. Au lieu de regarder la provision abondante, la surabondance, au lieu de regarder la provision surabondante du berger, il regarde l'ennemi. Il jeûne, il prie que mes ennemis meurent. Mais le psalmiste dit que j'ai un berger. Je n'ai rien, moi je n'ai rien avec les ennemis. Je rencontre le berger. Le berger est à moi à tout moment. Et parce que le berger est à moi, je sais que je ne manquerai de rien. Je sais que je ne manquerai de rien. Je sais que j'ai la foi et la confiance en le berger et qu'il pourvoit tout ce dont j'ai besoin. Et j'ai une provision surabondante qui est faite pour le juste. Tu prépares une table devant moi en face de. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. L'onction qui brise toujours. Il y a des gens qui se demandent, est-ce que j'ai encore l'onction? Est-ce que l'onction s'est épuisée? Est-ce que j'ai l'onction pour le ministère? Est-ce que j'ai l'onction pour l'œuvre que je dois faire? L'onction pour remplir mon ministère? Le psalmiste dit que l'onction ne s'épuise pas, que l'onction demeure et reste là-bas. Parce que l'onction reste là et dit que l'onction même augmente. L'onction déborde. Il dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alors, ici, c'est une surabondance qui a donné au juste. Voyons, Éphésiens 3, 20.
notre Dieu est capable, notre Sauveur est capable, l'évêque de notre âme est capable, Éphésiens 3, 20, aura celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est dit que par la puissance qui agit en nous, le Seigneur nous a appelés et nous a appelés en sa présence. Et en sa présence, il y a une surabondance de tous les besoins de notre vie. C'est pourquoi il dit que le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. Moi, je viens comme berger, je viens comme sauveur, je viens comme pourvoyeur, je viens comme votre protecteur, je viens comme votre rédempteur, je viens en tant que celui qui pourvoit vos besoins, je viens pour que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. Et revenons au psaume 23. Psaume 23, verset 6. Il dit, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Il dit, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Il dit, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Vous savez quoi? Christ, le Sauveur, Christ, le Berger, Christ, le Rédempteur, Christ, le Juste, Christ, c'est le pourvoyeur de tout besoin. Alors, il ne retire aucune de ses bontés, il ne retire pas sa grâce, il ne retire pas sa miséricorde tous les jours de notre vie. Vous êtes sauvés, continuez, vous êtes sanctifiés, continuez. Vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, continuez. Vous avez les dons de Dieu dans votre vie, continuez. Vous êtes appelé en tant que serviteur au ministère, avancez tous les jours de votre vie. Et à chaque croisée du chemin, il pourvoit sa bonté, sa miséricorde. Le diable ne peut pas décroître cela. Les persécuteurs ne peuvent pas décroître cela. Oui, sans aucune ombre de doute. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai, je crois que vous allez dire cela pour vous-même, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Cela veut dire qu'il nous donne l'abri parfait de sa résidence éternelle. L'abri parfait de sa résidence éternelle. Voyons Jean, chapitre 17, verset 23. Jean, chapitre 17, verset 23. Moi en eux. Et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Est-ce que vous avez jamais pensé à cela, que l'amour de Dieu pour vous, c'est le même que l'amour de Dieu pour Christ? Parce que nous sommes le corps de Christ, nous sommes membres de son corps, comme il aime la tête, il aime le corps. Il regarde un homme complet, la tête et le corps. Pouvez-vous aimer la tête sans aimer le corps? Vous aimez la totalité de l'homme, de la personne. Parce que maintenant, il y a une connexion inséparable entre Christ et l'Église, entre Christ, le chef, la tête, et l'Église, le corps. Il aime le corps, il aime le croyant, et vous en particulier, il vous aime, et comme Dieu a aimé Christ. Verset 24, ça dit, Père, je veux, Père, je désire, Père, je veux, je demande, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, soit aussi avec moi. Alors, c'est sa résidence éternelle qui soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Retournons au psaume 23, verset 1. Lisez cela pour vous-même et comprenez cela. Prenez cela pour vous-même. Et si vous ne pensez pas à ceci,
Pensez à ceci à tout moment et pensez à tout ce que Dieu a pourvu en Christ, tout ce que Dieu a pourvu, a donné en Christ. Vous pouvez maintenant dire à tout moment, chaque jour, pas seulement le passé, lorsque vous étiez jeune chrétien, mais maintenant, en ce temps, si vous dites, l'Éternel est mon berger, l'Éternel est votre berger, je ne manquerai de rien, vous ne manquerez de rien. Et verset 2 dit, voilà ce qu'il vous dit, il me fait reposer, c'est moi, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Et puis, verset 3, c'est dit, il restaure mon âme. Et cette nuit, et à tout moment, vous êtes pleinement restauré. Vous savez que vous êtes en présence de Dieu. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et puis, verset 4. Quand vous êtes troublé, quand cela paraît que la mort fait rage partout, mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains, vous ne mourrez pas avant votre temps et vous n'allez pas mourir misérablement lorsque votre heure sonne de partir. Vous allez partir triomphalement. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ils ne sont pas pour ma destruction. Ta houlette et ton bâton ne sont pas pour mon châtiment. Ta houlette et ton bâton sont contre l'ennemi. Et quand je vois la houlette et le bâton dans la main de mon berger, ta houlette et ton bâton me rassurent. Et verset 5 dit, tu dresses devant moi. C'est le présent indicatif. Tu dresses devant moi. Ne t'en faites pas. Ne pensez pas. Ne faites pas de soucis de ce que vous allez manger, de quoi vous serez vêtu, parce que tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Votre coupe débordera. Votre joie débordera. Votre paix débordera. La provision du Seigneur dans votre vie débordera. La puissance spirituelle de Dieu dans votre vie débordera. Et ma coupe déborde. Et maintenant, verset 6. 6, dites-moi le premier mot là-bas. Oui. Il y a la certitude dans votre vie. Il y a l'assurance dans votre vie. Il y a une assurance dans votre vie que même à partir de cette nuit et tout au long de la vie, quelque chose qui se passe dans votre quartier là-bas, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de votre vie, m'accompagneront tous les jours de ma vie. Lorsque vous aurez fini votre course ici, vous allez bien finir, vous allez terminer fort, vous allez passer à l'autre bord pour être dans la résidence éternelle du Seigneur. Et c'est dit, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours, dans ma vie, dans votre vie, dans notre vie, au nom de Jésus-Christ. Nous allons au troisième point maintenant. Nous allons voir la suprématie du souverain prééminent. La suprématie du souverain prééminent. Et voici psaume 24 maintenant. Psaume 24, voilà verset 1. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Voilà le verset 2. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Verset 3. A posé une question. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? 4. Verset 4 dit, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne lie pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Verset 5 dit, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Verset 6 nous dit, voilà le partage de la génération. Je suis très content d'être de cette génération. Voici le partage de la génération. Vous êtes content de prendre part à cette génération. Voici le partage de la génération qu'il invoque. De ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob pose. Verset 7 dit, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous.
porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Verset 8. Il pose une question. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Il veut que nous ayons l'assurance. Il pose encore. Verset 9. La question. Verset 9. Il pose la question. Porte. Il dit. Porte élevée volento. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Et 10 se dit. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Et dit, pause. Faites une pause. Pensez à cela. Quand nous voyons ce psaume, nous allons voir, nous voyons la suprématie du souverain prééminent, du souverain seigneur, du souverain, du prééminent gouverneur, du prééminent roi des rois et seigneur du seigneur. Il dépasse tout. Une suprématie, une grande suprématie. Numéro 1, ici, c'est la création et la possession de la terre par Dieu. La création et la possession de la terre par Dieu. Voyons, psaume 24, verset 1 là-bas. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. La terre. À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme. L'Éternel est notre berger. L'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est notre gouverneur. L'Éternel est notre créateur. Et la terre lui appartient. Tout ce qui est sur la terre lui appartient. Tout état, département, province, préfecture dans notre pays lui appartient. Alors, tout terrain, toute parcelle de terrain appartient au Seigneur. Il vous a créé et il vous a mis là-bas. Il vous a envoyé d'aller prêcher là-bas. C'est le territoire du Seigneur. C'est le pays du Seigneur. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Même le monde entier et ceux qui l'habitent. Tous ces gens qui habitent sur la terre sont des créatures de notre Dieu. La créature, les créatures de notre Père. C'est comme quand votre Père céleste, ou bien votre père biologique qui a bâti une maison, et ça va au-delà de cela, il a bâti des maisons sociales pour vous, pour vous en tant que fils ou fille, et vous vivez dans une des salles, des maisons, une des cases des chambres de cette maison. Chaque fois que vous êtes là, vous vivez là-bas, vous passez ici, mais vous dites que ceci appartient à mon berger, ceci appartient à mon père, ceci appartient à mon créateur et les gens qui habitent là-bas. Alors vous n'allez pas sinon aller comme vivre comme un berger. Vous avez peur de ceci et cela. Tous ceux qui vivent là-bas sont des locataires dans les maisons là-bas, dans les chambres là-bas que votre père avait construit. Donc tout ce qui est là appartient à votre père. Verset 2. Car il a fondé sur les mers. C'est ça? Et alors c'est pourquoi les scientifiques nous disent que la terre est solide et sous la terre il y a de l'eau. Tout appartient à Dieu. Voyons psaume. Tout appartient à Dieu. Psaume 89 verset 12. C'est à toi qu'appartiennent les cieux, les galaxies, le firmament et la terre. C'est à toi qu'appartiennent les galaxies, les cieux et la terre. Personne ne peut sinon réclamer le soleil, la lune, le firmament, l'atmosphère, les planètes qui sont là. Aucune personne ne peut dire d'avoir sinon le droit, le titre foncier de ceci et de cela. Tout appartient à notre Créateur. Le ciel, c'est dit ici que c'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé. Tout appartient au Seigneur. Voyons Apocalypse 4, 11. Apocalypse 4. Voyons le verset 11 qui dit ici que tu es digne, notre Seigneur. C'est mon Seigneur. Tu es dit notre Seigneur. C'est votre Seigneur. Voici le Seigneur qui est votre berger.
C'est ce berger qui est digne, ce Seigneur est digne, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Regardez ceci, car tu as créé toutes choses, le ciel, les cieux, la terre, tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. C'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Vous vous rappelez bien, non? Que chaque enfant de Dieu est membre du corps de Christ. Et cela fait partie du Seigneur, et c'est os de ses os et chair de sa chair. Alors, elle nous a créé pour sa volonté, pour son plaisir. Alors, vous faites aussi partie de sa création. On va au psaume 24, verset 3 et 4. Psaume 24, 3 et 4. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Le psalmiste dit, le psalmiste sait, vous savez très bien, que le ciel, que la terre n'est pas notre demeure éternelle. Il y a une montagne du Seigneur, il y a une maison du Seigneur, il y a une habitation du Seigneur, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas ici, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et si je suis allé vous préparer une place, je reviendrai encore et je vous prendrai à moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le Seigneur Jésus-Christ a prié et il a dit, Père, je veux que ce que tu m'as donné vienne voir ma gloire, la gloire que j'ai avec toi avant la fondation du monde. Alors, il veut que nous montions à la montagne de l'Éternel et que nous y restions et que nous y demeurions pour toujours dans son lieu saint. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Maintenant, il pose une question. Il dit, qui sont les gens et quelles sont les qualifications qui nous amèneront là-bas? Il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Voyons le verset 4. La condition de la pureté pour l'éternité avec Dieu. La condition de la pureté pour l'éternité avec Dieu. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Et ce sont ceux-là qui iront au ciel, qui vont y demeurer, et qui vont demeurer dans cette résidence éternelle de Dieu, éternellement. La condition de pureté pour l'éternité avec Dieu. Les mains innocentes. Voyons Job 17, verset 9. Le juste, néanmoins, demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Ceux qui sont pécheurs, s'ils se repentent et reviennent au Seigneur, que le Seigneur Jésus leur pardonne et leur donne sa justice et les rend justes et les conduit maintenant dans le sentier de la justice à cause de son nom. Et ils s'accrochent à leur voix et s'accrochent à la grâce de Dieu. C'est dit que le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains innocentes ne sera pas plus faible et plus faible. Celui qui a les mains pures sera plus fort, sera plus grand et sera plus propre, plus clair, plus gradué. Et fera du progrès dans le chemin de la justice. Il est plus fort aujourd'hui qu'hier. Il est plus radieux aujourd'hui qu'hier. Il est plus pur aujourd'hui qu'hier. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Alors, il nous fait avoir les mains innocentes parce qu'il nous lave, parce qu'il nous purifie. Et nous allons continuer de nous purifier. Deuxième Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure. C'est ainsi qu'on devient de plus en plus fort, de plus en plus pur, de plus en plus saint. Purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu.
Ce n'est pas seulement qu'on a les mains innocentes, on a le cœur pur aussi. Comment cela se produit-il? Voyons Acte 15, Acte chapitre 15, verset 9 qui dit « Et il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Il n'a fait aucune différence entre nous, apôtres, et eux, les disciples. Il n'a fait aucune différence entre nous, juifs, et eux, païens. Il n'a fait aucune différence entre nous qui avons vu Christ face à face lorsqu'il était sur la terre ici. » Et eux, et dans la maison de Corneille, qui n'ont jamais vu le Seigneur face à face, aux sept premiers croyants du premier siècle, à sept croyants du 21e siècle, il n'a fait aucune différence entre nous et eux de ce temps-là, et ayant purifié leur cœur par la foi, nous avons la paix avec Dieu au salut, nous avons la pureté en Christ, par la sanctification, la paix avec Dieu, le salut, c'est par la foi. Et la pureté en Christ, la pureté de cœur, la sanctification, et c'est aussi par la foi. Et nous demeurons et nous restons dans cette pureté de cœur. Revenons maintenant au psaume 24, verset 7. Verset 7. Porte, élevez vos linteaux, élevez vos portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. L'annonce sera bientôt donnée. L'ange sonnera de la trompette. Et toutes les portes seront élevées. Et les cieux seront très clairs. Et comme on regarde en haut, on verra le sauveur, le souverain. On verra le sauveur, le roi. On verra le roi qui viendra. On le verra descendre de la gloire. Et puis, c'est dit que le roi de gloire, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Voyons Jacques 2. Jacques 2, qui nous parle de l'identité du roi de gloire. Jacques 2, 1. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur, Jésus-Christ, notre glorieux Seigneur, le roi de gloire, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de Christ, de soit acception de personne. Le Seigneur est le roi de gloire. Son nom est Jésus. Parce qu'il est le glorieux Seigneur et vida de la gloire. Et ses apôtres qui ont cru en lui vont ressusciter des morts. Et ceux qui sont morts vont ressusciter. Mais ceux qui ne sont pas morts seront enlevés pour être avec lui dans la gloire. C'est dit aux Hébreux, chapitre 2, 9. Hébreux 2, 9. Qui dit... Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Il reviendra, et lorsqu'il reviendra, il viendra avec la gloire, et alors nous qui sont maintenant croyants, nous serons enlevés avec lui, avec les Juifs. Pour les Juifs, c'est un mystère. Pour ceux qui lisent l'Ancien Testament, c'était un mystère. Ils ne connaissent pas qui le roi de gloire est, mais lorsque le roi de gloire viendra, et c'est dit en 1 Corinthiens 15, 51, 1 Corinthiens chapitre 15, et le verset 51 dit, « Voici, je vous dis un mystère. » Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés et le temps viendra. Et ce sera très bientôt qu'on ne le pense. Je vous montre un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. C'est quand Dieu dit, en un, cela nous parle de l'avènement, de la gloire à venir. Cela nous parle de comment le roi de gloire viendra avec splendeur, honneur. Et en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Et la trompette sonnera. En un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous nous serons changés.
et nous prendrons part à cette gloire. Vous allez prendre part à cette gloire. Colossiens 3, 4 nous dit, quand Christ, votre vie paraîtra, quand Christ, votre substitut viendra, quand Christ, votre sauveur paraîtra, quand Christ, votre porteur de péché viendra, quand Christ, notre berger paraîtra, quand Christ, notre souverain Seigneur, notre roi, lorsqu'il paraîtra, quand Christ, notre vie, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez, frère, quel est ton nom là-bas? Alors vous paraîtrez aussi, ma sœur, quel est ton nom? Alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et il revient, le roi de gloire vient, le roi de gloire vient, le Seigneur de gloire vient, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs vient. Et lorsqu'il viendra, il viendra dans la gloire. Il viendra avec gloire. Et nous tous, nous serons avec lui. Je prie que vous soyez avec lui. Je prie que votre famille soit, que votre famille se rassemble avec lui à ses pieds. Je prie que tous vos convertis, tous nos convertis, tous nos membres se rassemblent avec lui. Et nous tous, prédicateurs, et le peuple de Dieu, et les ministres, et les membres de l'Église de Dieu, et nous tous, nous paraîtrons avec lui dans la gloire au nom de Jésus-Christ. Nous avons appris bien des choses aujourd'hui. Nous devons amener ce que nous avons appris au Seigneur en prière. Que le Seigneur écrive ses paroles sur la table de notre cœur. Que nous nous rappelions que Jésus-Christ est le glorieux berger et nous a donné un si grand salut. Frères et sœurs, tenons-nous debout maintenant en tant que dirigeants. Ayons les prémices des bénédictions de Dieu. Que nous soyons compétents, que nous soyons fortifiés d'aller partager avec les autres, avec les membres de notre assemblée. Merci frères, merci sœurs, tenons-nous debout maintenant et amenons tout au Seigneur en prière. Que le Seigneur Jésus-Christ soit rendu à nous en tant que notre substitut. Il a tout porté pour nous. Pourquoi ne pas le remercier d'avoir tout porté pour vous. Il est votre substitut. Il a traversé cette angoisse et il était attristé jusqu'à la mort afin que cette angoisse de la punition éternelle, que châtiment pour les péchés commis dans le passé vous soit ôté. C'est votre sacrifice sans tâche. Le sacrifice de Christ est acceptable au Seigneur. Le Seigneur, le Père l'a accepté. Le sacrifice a été accepté et il t'a accepté parce que tu es venu au travers de ce sacrifice. Il est le Fils frappé. Il a été frappé à cause de vous. Il a été frappé à cause de vous afin que vous ne soyez plus frappés par la colère de Dieu. Alors, il a été fouetté et il a été frappé. Et il a été meurtri et les meurtrissures ont été posées sur lui, quelles que soient les infirmités, la faiblesse, quelle que soit la chose, et le rapport, le bulletin médical, vous êtes guéri par ces meurtrissures. Il a été frappé, mais il est votre guérisseur, celui qui vous guérit. Maintenant, on peut venir à lui parce que nous sommes sauvés, parce que nous le cherchons et maintenant nous sommes satisfaits de toutes les provisions qu'il a faites. Non seulement ça, nous pouvons le servir. Et en tant que des saints soumis, nous lui sommes soumis. Et nous lui sommes soumis. Et nous voulons le servir de tout notre cœur, de toute notre vie, de toute notre pensée et de tout ce que nous avons au-dedans de nous. Et de tout ce qui est à la table, nous amenons tout ouvertement pour le servir. Priez le Seigneur. Seigneur, je vais te servir. Et si tu meurs pour tout, donc nous tous nous sommes morts, que ceux qui vivent maintenant ne doivent plus vivre pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent pour celui-là qui les aime et qui est mort pour eux. Parce qu'il est mort pour nous, alors pour nous sauver, parce qu'il est mort pour nous, il est mort pour nous sanctifier, alors maintenant il nous a
faire des gens zélés pour de bonnes œuvres. Dites au Seigneur que vous mettez toutes choses de nouveau sur l'autel, afin qu'à partir d'aujourd'hui, vous le serviez de plus, vous le serviez mieux qu'auparavant, qu'aujourd'hui, que vous serviez l'Église du Dieu vivant mieux qu'auparavant. Et rappelez-vous maintenant que le Seigneur est votre berger, parce qu'il est votre berger, il est le prince de votre salut, il est le sauveur parfait, il est le parfait rédempteur, il n'y a rien que vous devez faire qu'il n'est pas fait. Tout est complètement fait. C'est parfait, c'est absolu, c'est irréprochable, irrépréhensible. Le sauveur parfait, le rédempteur parfait. Et pensez au salut qu'il nous a donné. Alors ce n'est pas un salut fautif, ce n'est pas un faux salut, ce n'est pas un salut défectueux, ce n'est pas un salut faible. Le salut, un salut parfait et une rédemption parfaite, la rédemption du péché, la rédemption de toutes les corruptions de la société, parfait. La rédemption parfaite de tout le pouvoir de l'ennemi, tout est parfait, complet, absolu et plein. Et à cause de cela, vous pouvez marcher dans la voie du salut, sur le chemin de la justice, et il nous accorde une provision parfaite, des richesses incompréhensibles de Christ, des richesses inépuisables de Christ. Oui, il pourvoit à tous vos besoins. Et quelle est votre exigence, votre demande? Il exaucera toutes vos prières. Parce que ces richesses de Christ, de là où vous tirez vos provisions, sont inépuisables, sont illimitées et sont parfaites, sont débordantes. Et vous pouvez dire au Seigneur, et vous l'accordera. Il vous les accordera, il vous donnera la sécurité. Il donne la sécurité, pas une fausse sécurité, mais la sécurité parfaite. Et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Les lions, ils ne vont pas vous dévorer. Même les méchants ne vont pas vous parvenir. Et la mort prématurée ne peut pas vous parvenir. Et vous avez la sécurité parfaite. Vous avez le repos parfait. Non seulement ça, il vous accorde aussi la satisfaction parfaite et le rafraîchissement. Il vous conduit vers les eaux paisibles, pas vers les eaux tumultueuses. Il a ôté toute la turbulence. Vous pouvez maintenant avoir la paix dans votre cœur, la satisfaction en vous et le rafraîchissement. Et il n'y a plus de sécheresse. Il n'y a plus de sécheresse. Est-ce que vous vous sentez très sec? Parlez au Seigneur, je sais que tu me diriges et vers les eaux paisibles. Il y a la satisfaction. Il va vous satisfaire. Il satisfera votre âme. Et nous accorde l'état de restauration. Vous n'êtes pas dans un état d'aller par-ci, par-là, de ne pas être établi, mais vous êtes établi. Après la restauration, il restaure votre âme. Parce qu'il a restauré votre âme, il vous accorde cet état de rétablissement et de restauration. Il vous conduit dans le sentier de la justice. Dans le sentier de la justice, il vous montre la voie. Y a-t-il des défis? Y a-t-il une épreuve? Y a-t-il une tentation? Y a-t-il une croisée du chemin? Alors, le pas que vous devez faire, et le chemin sur lequel vous devez marcher. Alors, pour maintenir la justice du Sauveur, la justice des saints, il vous conduira continuellement dans le statut de la justice du Seigneur. Rappelez-vous maintenant la condition de la pureté, les mains innocentes et le cœur pur. Et nous donne cela au travers du sang de l'agneau, et nous purifie, et nous lave plus blanc que la neige, et nous il purifie notre cœur, et nous garde dans la pureté, et nous préserve dans la pureté. Et lorsqu'il viendra, en tant que roi de gloire, qu'il viendra, il entrera, et les portes éternelles, les portes qui étaient fermées, et les portes qui empêchent le Seigneur d'entrer, toutes ces années,
et des générations passées, la trompette sonnera et ses portes éternelles seront élevées et le roi de gloire et le seigneur de gloire et le prince de gloire entrera. Et lorsqu'il paraîtra, donc ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. Et nous qui sommes encore vivants, nous qui demeurons vivants, nous serons enlevés avec lui pour prendre part à sa gloire. Vous serez avec le Seigneur, je serai avec le Seigneur. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, qu'il vous rende prêt, préparé jusqu'à ce temps-là au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions pour ce que tu nous as révélé au sujet du bon berger, au sujet du grand berger, au sujet du glorieux berger, au sujet de notre sauveur, notre substitut et notre porteur de péché. Nous te rendons grâce parce qu'il a ôté nos péchés. Nous bénissons ton nom à cause du fait que l'Esprit du Seigneur rend témoignage dans notre cœur que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes serviteurs du Seigneur et nous sommes saints et nous sommes des serviteurs soumis et tout ce dont nous avons besoin en tant que tes enfants, tout ce dont on a besoin en tant que tes fils et tes filles, tout ce qu'on a besoin en tant que tes fils et tes filles et tes serviteurs, tout est disponible et tu pouvoir as-tu nos besoins. Nous savons que tu nous donnes du repos et de la sécurité. Nous savons que tu nous donnes la sécurité et le rafraîchissement. Nous savons que tu nous donnes la satisfaction et la justice. Nous savons que tu nous donnes et tu nous donnes la force, la force de ta verge. Nous savons que tu vas nous donner toutes les provision dont on aura besoin. Les ennemis pourraient être là, les ennemis pourraient ne pas être là, les ennemis qui imaginent, les ennemis qui sont réels, tu dresses une table devant chacun, devant nous, en face de nos adversaires. Et notre coupe d'onction, notre coupe de festin, notre coupe de provision déborde. Seigneur, tu nous as donné l'assurance et je prie que cette assurance, que cette confiance, que cette foi soit dans chacun de nous, que la grâce et la bonté accompagnent chacun de nous tous les jours de notre vie et que nous passions le reste de notre vie dans la confiance, dans le courage, dans la conviction, que nous passions nos jours dans l'abondance, dans la surabondance de provisions que tu as faites pour nous. Et lorsque l'heure sonnera de rentrer au ciel, nous allons bien terminer, nous allons terminé très fort, nous allons rentrer au ciel et nous allons vivre et demeurer avec toi au siècle des siècles. Et lorsque nous sommes encore ici, dans ce lieu de ministère, nous prions que tu nous accordes la prise de conscience que la terre t'appartient, tout ce que nous voyons, ce qu'on ne voit pas, tout est à toi. Et que tu es pour notre avantage. Et nous prions, Seigneur, que nous tirons profit de tout sans crainte, sans tremblement, sans nous effondrer au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que nous ne craignons aucun locataire sur la terre, même Satan, cette terre n'est pas à lui, ou bien les voisins, ou quelqu'un du village, ou dans la rue, ou dans la ville. Tous ces gens sont tes locataires, tu les as créés, tu les as mis ici. Nous sommes les fils, les filles du Dieu très puissant, le Rédempteur, le Créateur. Nous n'aurons pas peur au nom de Jésus-Christ. Et nous prions, Seigneur, que la paix du cœur, la prêteur du cœur dont on a besoin, la puissance dont on a besoin, que tu donnes tout afin que comme nous marchons vers la résidence éternelle, quand nous voyons vers le paradis, comme nous voyons vers le lieu que tu nous prépares, que nous soyons purs, saints, sans tache, irrépréhensibles au nom de Jésus-Christ. Et nous prions que ta gloire demeure dans notre vie. Même maintenant, jusqu'à ce que nous parassions devant toi, nous comparassions devant toi dans la gloire de Jésus-Christ. Fortifie tous frères, toutes sœurs, fortifie tous les ministres, afin que tout ce que nous devons faire, que tu nous accordes la grâce de tout faire avec victoire au nom de Jésus-Christ. Mets l'esprit de conquérant, l'esprit de vainqueur dans la vie de tes enfants, afin que cette œuvre, cette tâche soit faite ardemment et fidèlement
Au nom de Jésus-Christ, nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il fasse que la parole porte du fruit dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ.